Une vie riche après la mort, c'est pas forcément accessible à tout le monde. Oh. Oh, j'y crois pas. Je ferais mieux de retourner dans ma tombe. C'est sympa d'être un zombie riche. Une tanière souterraine confortable, un lit moelleux et un verre d'eau gazeuse au petit matin. Je peux commencer ma journée de luxe. La pauvre zombie dort sur des planches et boit de l'eau à travers le toit qui fuit. J'ai besoin de nouveaux ongles. Faites quelque chose. Oh mon Dieu, c'est une zombie! Regarde ses griffes! Une simple lime à ongles ne suffira pas. Je vais devoir prendre un outil plus puissant. Allez, ponceuse, me laisse pas tomber! Quel travail difficile! Ah, j'ai presque fini! Ta manucure de zombie est terminée! Merci, garde la monnaie! J'arrive plus à soulever mes bras de zombie tout raides. Super les gars, c'est parti! Mes bras sont fatigués! Où est-ce que je pourrais me reposer? Oh, quelqu'un a laissé des ballons là! Super idée! Ils porteront mes bras à ma place! Il fait tellement chaud et étouffant ici! Il n'y a pas d'air dans cette crypte! Rien n'y fait, même pas un éventail. Ça suffit pas! J'ai besoin de quelque chose de plus léger. Oh, de l'argent? C'est toujours utile. Un éventail à 1 million de dollars. Ou peut-être que je devrais juste m'éloigner de la cheminée? Oh, il fait tellement chaud! Je devrais faire un éventail? Mais avec quoi? Oh, une peau de banane! Heureusement que j'ai pas sorti les poubelles! Trop bon cette petite brise! C'en est trop! J'en ai marre d'être un zombie! Fais quelque chose! Tiens, un smoothie radioactif pour que t'aies un regain d'énergie zombie! Hache un kiwi, une pomme et une banane. Mets les ingrédients dans un mixeur. Ajoute du colorant alimentaire, de la menthe et du jus de citron. Mixe le tout. Verse le smoothie dans un gobelet. Et colle un autocollant radioactif dessus. Mmm, trop bon! Oh. J'ai plus de force! Et j'ai plus de boisson énergisante. Je vais faire quoi? Oh, une télécommande? J'ai la solution! Des piles! Coupe un bonbon en morceaux. Emballez dans du papier d'aluminium. Et attache une étiquette de pile imprimée autour. Je vais manger une pile! Waouh, ça m'énergise tout de suite! Je vais m'éclater! Wouhou! Oh non, les piles sont mortes! J'ai faim? Je vais commander à manger? Qu'est-ce que je vais prendre pour le déj? Bien sûr, un cerveau sur bâtonnet! Fouet 3 blancs d'œufs. Ajoute 200 g de sucre en poudre et du colorant alimentaire. Dépose le mélange sur du papier sulfurisé à l'aide d'une poche à douille. Forme un cerveau. Mets des bâtons au milieu et fais-les sécher pendant 5 à 6 heures dans un four à 85 degrés Celsius. Livraison de nourriture! Mademoiselle, voici votre commande! C'est un zombie! Au secours! Je veux pas mourir! T'inquiète pas, je veux juste des cerveaux! Oh, c'est tellement croquant! Il manque quelque chose! Des épices! Bon appétit à moi! Mon estomac gargouille! Je vais prendre quoi pour le petit-déj? Les étagères sont vides! Rien ici!
Te voilà! Je savais que j'avais un cafard bien frais quelque part. Et au lieu d'épices, je vais utiliser de la poussière de l'étagère. Mmm, quel délice! Ew! Les zombies riches utilisent uniquement du papier toilette en or. C'est de l'or pur? C'est ça ou rien? La pauvre zombie a un rouleau de ruban adhésif en guise de papier toilette. C'est pas aussi simple à utiliser. C'est tellement collant. Au secours, je suis coincée. La zombie riche doit toujours sentir bon. Elle a un parfum de zombie spécial. Verse de l'alcool dans une bouteille. Ajoute du colorant cosmétique. Quelques gouttes d'huile de lavande, de menthe et de citron. Ajoute du colorant pour huile pour colorer les huiles. Ferme la bouteille avec un bouchon de liège. Décore-la avec des cordons et une perle en forme de tête de mort. C'est un parfum spécial pour les zombies les plus délicats. Oh, quel super parfum! On en veut aussi! La zombie riche fait du shopping avec son garde du corps. Tiens mes sacs, je dois garder mes mains libres. La pauvre zombie fait son shopping avec un sac poubelle. Super, j'ai acheté une nouvelle main en solde. Je veux choisir un chapeau. Non, pas celui-là. Ça? Pff, les vikings peuvent le garder. Mais celui-ci est plutôt cool. Retourne un bol. Forme un cerveau avec de la pâte à modeler. Mets-le sur le bol. Laisse durcir. Étale une fine couche de pâte à modeler. Retire le cerveau en pâte à modeler du bol. Et couvre l'intérieur. Colore le cerveau avec de la peinture dorée en spray. Coupe le milieu d'un set de table rond. Et colle le cerveau au milieu. Fais en sorte que ça ressemble à un chapeau. Un cerveau doré? Ce chapeau est parfait pour la zombie riche. J'ai besoin d'un couvre-chef. Non. Et cette boîte? Non, ça ne va pas terrible. Ouh, un chapeau en alu. Cette couleur et cette forme me vont trop bien. Je suis trop tendance. La riche zombie a réservé une table rien pour elle dans un restaurant. Je peux avoir votre plat le plus cher? Tout de suite, mademoiselle. Et voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Vert. J'ai pas commandé de verre en argent? Reprenez ça! Pardon, j'ai confondu les commandes. Voici vos verres faits de l'or le plus fin. Ah, c'est vraiment mieux. C'est si luxueux. Attends, c'est qui ça à la table d'à côté? Pourquoi y a une clochette qui mange sa soupe dans un restaurant chic? Verse de l'encre de sèche dans de l'eau et réchauffe-la. Saupoudre des nouilles instantanées avec des épices. Et couvre-les avec l'eau teintée. Coupe une saucisse cuite en morceaux et fais des entailles dedans. Verse la soupe de nouilles noires dans un gobelet décoré. Mets les verres en saucisse et ajoute de la roquette. Serveur, faites-la sortir d'ici. Elle gâche mon appétit. Bien sûr, vous ne pouvez pas apporter votre propre nourriture dans un restaurant. Allez-vous-en. Allez, les pauvres zombies n'ont pas leur place ici. La pauvre zombie a 2 livres et elle les a déjà lus 2 fois. Mais ça la dérange pas de les lire une 3e fois. La zombie riche écoute des livres, lus par les auteurs eux-mêmes. Oh. Non, cette histoire est naze. Viens ici, je vais changer le contenu. Jouer un autre livre. Allume-toi. Ah, c'est vachement mieux. Qu'est-ce que je devrais porter aujourd'hui? Je vais jeter un œil dans ma garde-robe. Non! Non! Je veux pas ça! Oh, mon pull préféré! La zombie fauchée n'a pas de garde-robe. Tous ses vêtements sont accrochés sur ses bras. Je vais mettre un pull? Oh oh!
j'ai perdu l'équilibre. T'as aimé le zombie? Alors dis-nous dans les commentaires quel style de vie tu as préféré. Celui de la pauvre zombie ou de la riche zombie? Et n'oublie pas de lâcher ton like pour cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne pas manquer les nouvelles histoires de zombies sur TromTrom.